les stats, vraiment, on n'en a pas là-dessus. Moi, je me souviens simplement avoir vu un jeune cadet, il y a maintenant plus de 10 ans, qui a été à la porte de l'équipe de France cadet. Ouais. Et c'est le seul. Sinon, depuis ma génération, c'est-à-dire depuis les années 70-80, il n'y a pas eu un défenseur chez les garçons en Ouais. équipe de France. Voilà. Alors chez les filles, c'est différent, hein. On a vu plusieurs féminines, dont Agnès Le Lannic. On a vu Alice Jauneau qui est arrivée à un niveau correct aussi sur le plan national. On a bien sûr les deux joueuses chinoises, mais qui ont été formées ailleurs que chez nous, mais qui ont été elles, pour le coup très très bonnes au niveau international. Mais chez les garçons, il y a une absence complète de défenseurs. Et les rares défenseurs que l'on a vus sur le circuit national en cadet junior ont explosé après en senior, tout simplement parce que la formation qu'ils avaient reçue n'était pas adaptée au jeu de défense d'aujourd'hui, quoi. On leur a pas donné les armes techniques pour se donner une chance de réussir au plus haut niveau, quoi. Et la seule stat qu'on a un peu plus valable, c'est sur les tout petits. Puisque au niveau de la détection aujourd'hui, sur les 7-8 dernières années, on a touché à peu près 150 personnes, garçons et filles confondus. Et là-dessus, on a vu 3 défenseurs, enfin 2 défenseurs et une défenseuse plus exactement. Donc 3 sur 150. Voilà. Et sur les 3, il y en a un dont les entraîneurs ont refusé de les mettre finalement en défense. C'était une préconisation qu'on avait nous fait parce qu'il nous semblait que ce joueur-là avait des qualités pour jouer en défense. Donc les entraîneurs de club ont refusé, ne le sentant pas du tout. Le deuxième a fait l'expérience, mais au bout de 2 ans a arrêté, revenu en arrière et joue de nouveau en attaque. Et le troisième cas, c'est une féminine qui aujourd'hui s'est mise en défense depuis quelques mois, donc c'est tout nouveau, et qui continue dans ce système de jeu. Donc pour l'instant, sur 150, c'est une fille. Et encore, on ne sait même pas si elle va conserver ce niveau de jeu-là. Donc voilà, donc on peut dire que globalement, enfin, moi c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument pas évolué depuis pratiquement 30 ans. Que certains entraîneurs en France se posent la question et se disent, bon, c'est plus compétitif, etc., etc. Chez les garçons, ok. Mais chez les filles, ça, j'ai du mal à comprendre, quoi. Si on prend le classement mondial aujourd'hui, il doit y avoir une dizaine de défenseuses dans les 50 premières mondiales. J'ai même pas pris jusqu'au 100, j'ai pris que jusqu'au 50. Il y en a une dans le top 10, la joueuse allemande Anning, là. Et puis surtout, il y a une jeune coréenne, une jeune japonaise, qui ont moins de 20 ans toutes les deux et qui sont dans les 20 premières mondiales aujourd'hui, quoi. Et la jeune coréenne, c'est Corée du Nord, on ne l'avait jamais vue avant les Jeux Olympiques de cet été, et elle a fait troisième, donc médaille de bronze. Donc ça montre bien quelque part que là, si on se réfugie même derrière ce critère de se dire est-ce que c'est compétitif ou pas, on voit bien que chez les filles, ça l'est. En Europe, on a la sensation que la seule chance pour qu'il y ait un défenseur, et une défenseuse aussi, c'est quasiment qu'il commence à jouer sans entraîneur et qu'il développe lui-même. C'est quand même hallucinant de dire ça, mais c'est malheureusement vrai. Moi j'ai eu, enfin je sais pas si c'est une chance, mais moi j'ai toujours voulu jouer en défense, et j'ai commencé à jouer avec mon frère, et on ne connaissait pas le tennis de table ni l'un ni l'autre, donc on a appris à jouer avec un bouquin sur la table, et j'ai pu naturellement finalement développer le système de jeu que je voulais. Et plein de joueurs comme ça qui me disent la même chose. Des Timo Boll, des Jean-Philippe Gatien qui ont commencé pendant un an jusqu'à 3 ans avant de s'inscrire dans un club, mais qui ont joué avec leur papa ou leur grand frère et qui ont donc développé des habiletés tout seuls. Et c'est seulement après qu'ils ont été en club et qu'ils ont appris la technique. Et nous, souvent, on met peut-être la technique trop vite au centre du truc et la technique des attaquants, et uniquement celle-là. Et c'est là où je pense qu'on a une vraie marge de progression, quoi. Et que je disais, l'observation tout à l'heure, elle est importante, parce que est-ce que l'entraîneur ne devrait pas, au début, voir un petit peu ce que fait le joueur sans lui donner de consigne, quoi. Est-ce qu'il recule de la table? Est-ce qu'au contraire, il est collé? Puisqu'on a les deux cas de figure, souvent, chez les gamins, où ils sont trop collés à la table ou beaucoup trop loin. En fait, c'est on a l'impression que c'est l'entraîneur qui joue plus que le joueur. Voilà. Tout de suite, et oui, C'est parce qu'on l'entraîneur veut tout qui de suite joue. qu'il y ait des échanges, et je le comprends, hein, mais il y a d'autres moyens pour qu'il y ait des échanges. Par exemple, les faire jouer avec des balles en mousse. C'est tout con, mais là, on va avoir des échanges. Ils ne peuvent pas taper fort parce que la balle n'avance pas. Donc, s'ils veulent marquer le point, il faut qu'ils le marquent en étant plus malin que l'autre, en jouant les petits côtés, le ventre, enfin bref. Et finalement, on arrive à développer les qualités qu'on recherche sans même le demander aux joueurs parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
Et donc, c'est tout ça où je trouve qu'on est, on est trop avec des idées reçues, trop avec un schéma dans la tête, où d'ores et déjà, nos 10 joueurs qu'on a au début, ils vont tous jouer pareil, quoi, 15 jours après déjà, quoi. Et voilà, donc, c'est... À ce niveau-là, c'est un peu désespérant, je trouve, parce que... Après, ça marche au niveau européen. Oui, mais et puis c'est surtout pas à mettre hors de cause. Hein, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, sur les 10 qu'on va avoir peut-être le lundi, il y en a 8 ou 9 sur 10 qui sont faits pour jouer comme ça. Donc, mais malheureusement, il y en a un ou deux qu'on va laisser sur le bord du chemin parce qu'on lui a pas permis de travailler comme il aurait fallu travailler avec lui. Quoi. Et c'est dommage parce que c'est souvent ces gens-là, ces profils un peu atypiques, qui ont des chances d'être très bons. On l'a vécu, hein. Un Gatien, bon, aujourd'hui il a un jeu, on dirait classique, mais quand il est arrivé avec son jeu de vitesse, c'était le seul à faire ça. Avec Erik Lindh, le Suédois, ils étaient deux au monde à jouer comme ça, et à laisser moins de temps aux adversaires de s'organiser que les autres joueurs, et c'est pour ça qu'ils ont surpris, c'est pour ça qu'ils ont été bons. Et nous, on ne serait pas capable de faire ça avec aujourd'hui un défenseur, ou avec un bloqueur, ou avec un soft, ou avec plein d'autres choses, quoi. Et voilà, et c'est toujours les joueurs qui ont fait évoluer le tennis de table et rarement les entraîneurs. C'est ça aussi qui est, quelque part, on devrait s'interroger. Oui, malheureusement, oui. J'avais fait ça en 86 pour l'obtention du BE2, en fait. Et j'ai ressorti un exemplaire tout à l'heure, parce que ça faisait effectivement très très longtemps. Et 80% de ce que j'avais écrit là-dessus, je l'ai remis dans la route du haut niveau qu'on a écrit il y a quelques années maintenant, mais qui est beaucoup plus récent, notamment sur l'ouverture d'esprit dont nos entraîneurs et nos joueurs doivent faire preuve par rapport aux défenseurs, et dont on fait rarement preuve. Par exemple, un défenseur joue toujours avec un picot lourd dans le revers. Alors c'est vrai, c'est certainement vrai pour peut-être 8 défenseurs sur 10, mais il y en a peut-être un certain nombre qui pourraient jouer autrement qu'avec un picot lourd dans le revers. Pourquoi pas un soft? Pourquoi pas deux backside? Moi, j'ai fait toute ma carrière avec deux backside. Bon, voilà, ils n'en ont pas le temps, quelques-uns pas l'envie, ou ils n'en voient pas la nécessité aussi, ça dépend des entraîneurs. Et donc, effectivement, on se retrouve quelques années plus tard avec des joueurs dont la seule différence, c'est je topspin des deux côtés, plus ou moins loin de la table. Voilà. C'est à peu près le seul registre sur lequel les Français, et aussi parce que c'est le registre qu'on maîtrise le mieux. Parce que, effectivement, l'utilisation du soft, ça aussi, on a été obligé de faire des documents là-dessus parce qu'il y avait un gros flou de la part de nos entraîneurs. Oui, mais d'accord, mais qui pour jouer avec un soft? Et de quelle manière? Quelle est la technique pour jouer avec un soft? Voilà, idem pour les picots et un peu pour tout en fait. Et la défense, n'en parlons pas, parce que la défense, c'est en plus, non seulement c'est un système de jeu différent, mais souvent il faut y mettre ou un soft et un picot, ou un picot long en plus. Donc c'est deux choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc on a peur quoi, d'aller là-dedans. Mais nous, on leur a répété, mais ça ne vous coûte rien d'essayer. Si vous pensez que ce joueur ou cette joueuse a quelques velléités pour essayer, au moins essayer, voir s'il prend du plaisir, voir si vous allez observer quelque chose, et à partir de ce moment-là, vous allez évoluer en même temps que le joueur dans ce système de jeu. Il ne faut pas être effrayé parce que c'est un peu différent, parce que y a des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas tout, on a tous nos points forts, mais aussi des points faibles, mais je pense qu'on peut les combler. Quoi. Moi, je me rappelle de l'entraîneur de Philou qu'il avait eu à ses débuts. Il m'avait dit, mais j'avais la sensation de ne pas avoir le niveau. Quand j'ai vu comment il évoluait, et moi, avec mon niveau d'entraîneur de petit club, il me dit, il me dit, finalement, j'ai évolué avec lui. Il m'a fait grandir, il m'a fait évoluer. Et là, je pense que c'est pareil. Si on s'intéresse à son joueur, que c'est un défenseur, on va progresser en même temps que lui. On va aller se renseigner, on va poser des questions et on va vite maîtriser ce système de jeu parce qu'il n'est pas très différent de... C'est plus, moi, je trouve, les gens que l'on a mis en défense et la formation qu'on leur a donnée, qui à un moment donné, malheureusement, les empêche d'évoluer plus. Alors c'est encore, c'est vrai en France, puisque moi je le vérifie depuis X temps, c'est vrai en règle générale en Europe, un tout petit peu moins en Asie,
mais aussi un peu quand même. On a tendance à mettre en défense des joueurs qui sont pas doués en attaque, déjà. Donc ça veut dire s'il n'est pas doué en attaque, il ne le sera pas plus en défense. Donc on ne se donne aucune chance de réussir avec ce joueur-là, malheureusement. On a tout de suite posé des freins dans l'apprentissage. Alors, soit en mettant le picot long trop tôt dans le revers, soit en demandant. La première chose qu'on demande à un défenseur, c'est de couper la balle. Et pour moi, c'est le truc le plus facile à faire pour un défenseur. Beaucoup plus dur, c'est de donner justement des balles sans effet. Faire Parce que quand semblant. on a un geste du haut vers le bas, bah, la balle a tendance à être coupée de toute façon. Donc arriver à faire ce geste-là en ne la coupant pas, ça c'est beaucoup plus difficile. Et c'est par ça qu'il faut commencer. Nous, on a essayé de l'expliquer à chaque fois qu'on était en formation. Commencez par demander à vos joueurs et à vos joueuses de renvoyer la balle basse. Donc ça montrera qu'on a annihilé la rotation et la vitesse. Tendue, mais sans effet. Et sur tous les types de balles qu'il va recevoir. Les topspins en cloche, les topspins frappés, les balles courtes, les balles longues, D'accord. voilà. Et passer autant de temps qu'il le faut pour qu'ils arrivent à contrôler cette balle avant d'entrevoir la variation de balle et tout le reste. D'accord. Alors, c'est exagéré ce que je dis, hein, parce que si on faisait faire ça à un gamin, une gamine, au bout de 2 mois, il jetterait l'éponge et il en aurait marre. Donc, il faut forcément faire d'autres choses à côté. Mais c'était pour inscrire dans la tête des entraîneurs que, on s'est complètement trompé dans la formation, quoi. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais joueur. Moi, c'est quand même malheureux, hein. Moi, j'ai plein de joueurs, attaquants et défenseurs, hein, qui m'ont dit, et majorité de ceux qui ont réussi au niveau international, qui m'ont dit, la chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir d'entraîneur au début. C'est quand même incroyable. L'idée reçue qui court aussi depuis presque tout le temps, puisque moi on me l'avait dit quand j'ai commencé à jouer déjà, c'est que le défenseur met plus de temps pour être compétitif. Et en fait, c'est pas forcément vrai. C'est même quelquefois l'inverse qui se produit aujourd'hui en France, parce que on a moins en moins l'habitude de jouer sur des balles coupées, et donc le défenseur sur des petites catégories, Benjamin, généralement, s'il arrive à couper la balle, il fait tous les points avec. Et donc, il a des résultats qui sont trompeurs parce qu'il va avoir des résultats rapides et c'est après que ça se complique. Alors, déjà un peu en cadet, Qui coupe la balle mais sans voilà. picot. Oui, mais J'ai bien compris. même en fait, c'est quelque chose qui va le. Je veux dire, c'est trompeur parce que le gamin, il va faire des résultats des fois rapides avec simplement savoir couper la balle, même des fois rien qu'en poussette. Et puis, dès qu'il va arriver en cadet, bah, ça suffira plus. Mais il va encore faire l'illusion et arrive en junior, il explose. Il explose parce que la balle coupée ne gêne plus. La puissance est là, les gens sont plus gênés aujourd'hui, hein, avec les revêtements qui vont quand même très vite, avec ou alors certains vont être gênés, ceux qui savent pas jouer sur les défenseurs, mais il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui ont des facilités sur défense, et ça suffit plus, quoi. Et là, ils ont plus de possibilité de faire évoluer leur système de jeu parce que l'apprentissage qu'on leur a donné, c'est uniquement couper la balle, uniquement. Et aujourd'hui, on le voit, c'est. Donc, c'est. Moi, je suis pour une formation qui soit plus longue pour le défenseur, enfin, plus global, plus riche, plus lui donner la possibilité de contrôler sur toutes les balles qui lui arrivent. Et une fois qu'il va maîtriser ça, le reste va lui sembler mais facile comme c'est pas permis, quoi. Et puis aussi, c'est l'état d'esprit de nos entraîneurs qui est à changer parce que, outre le fait qu'ils pensent que c'est plus compétitif, ça concerne une bonne partie d'entre eux, mais pas tous quand même. Mais il y en a plein qui pensent que le défenseur, c'est celui qui attend la faute. Et donc on est attentiste, on doit être patient, etc. Oui, c'est des qualités du défenseur, mais aujourd'hui le défenseur, il doit prendre des risques. S'il ne prend pas des risques, il a zéro chance d'y arriver. Zéro. Et cette prise de risque, il faut l'intercorporer très vite. Alors c'est pas forcément en attaque, c'est en prenant un risque sur une balle plus coupée que l'autre, ou plus molle que l'autre, ou une poussette plus rasante, et qui ne paraissent pas être une prise de risque de l'extérieur. Mais pour le joueur, c'en est vraiment, parce qu'il va chercher à frotter finement la balle. Et donc. C'est tout ça que nos entraîneurs ont du mal à intégrer et à comprendre, quoi. Et on forme encore, les rares défenseurs qu'il y a aujourd'hui sont formés comme moi on m'avait appris à jouer il y a 40 ans en arrière. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Et je n'ai vu aucune évolution du jeu de défense depuis, oui, 40 ans. Ah bah c'est plus facile, enfin c'est plus facile. Les entraîneurs pensent que c'est plus facile chez les filles que chez les garçons. Ça va moins vite. Ça va moins vite. Il y a surtout moins de puissance, moins de poids dans la balle, moins de D'accord. lourdeur. Donc ça, c'est vrai que une balle très coupée chez les filles est beaucoup plus efficace que chez les garçons, indiscutablement, quoi. D'accord. Le fait aussi que les balles soient moins lourdes, moins rapides,
ça permet aussi de reprendre l'attaque plus facilement quand on veut casser le rythme. D'accord. Donc ça, c'est des raisons quand même qui font que... C'est pas parce que les féminines ont une mentalité de défenseuse. Alors, je pense que pas, les garçons. Non, je pense pas. Moi, je sais que quand j'entraînais les filles à l'INSEP, j'avais... deux défenseuses qui étaient d'un bon niveau, mais elles avaient la même mentalité que... Non, je pense que c'est pour ça, ça dénote bien d'ailleurs qu'on pourrait avoir à peu près le même pourcentage, le même ratio chez les garçons, si on voulait bien se pencher sur ce problème-là. Hein. Je crois donc il n'y a pas d'aspect psychologique, une féminine qui serait moins agressive quelque part, plus dans la tactique. Ouais, je pense pas hein, que ça soit lié. Enfin, c'est toujours difficile de répondre à cette question-là parce qu'on a tellement peu de cas que c'est difficile d'en tirer des généralités. Mais moi, honnêtement, les rares filles que j'ai eues à entraîner ne me semblaient pas du tout différents au niveau mentalité des attaquants ou autres. Alors, c'est sûr que quand on est défenseur, moi, c'était mon cas, donc... on aime, par exemple, quand le point dure longtemps, parce qu'on n'a pas l'impression, contrairement au spectateur qui est dans la salle, qui dit « Oh là là, mais il est dominé, il est ballotté de droite et de gauche, etc. Ouais. » Non, ce n'est pas du tout la sensation qu'on a, nous. On a l'impression de diriger le jeu, en fait. D'abord, on aime ça, être ballotté de droite et de gauche. Ouais. Est-ce qu'on aime bouger Enfin, moi, c'est ce que j'aimais, ouais, en tout cas. Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on touche la balle, nous aussi, on joue avec nos armes, qui sont la variation, le placement de balle, etc. On fatigue. Voilà, et on n'a pas l'impression d'être dominé comme le spectateur va s'en rendre compte et tout. Donc ça, ça demande effectivement certainement une certaine mentalité. C'est une partie d'échec qu'on joue quand on est défenseur aussi. Hein. Mais en même temps, on sait qu'il faut prendre des risques. On sait. Mais moi, c'est pas à ce niveau-là. C'est plus, je pense, parce qu'il y a un déficit de puissance et de vitesse chez les. Enfin, déficit. Non, elles sont juste moins puissantes que les garçons. Pourquoi, dès que vous mettez quelqu'un en défense, on lui met un picolon dans le revers? Alors, il y a une explication, hein, le contrôle de balle est généralement plus difficile en revers qu'en coup droit. Biomécaniquement, on est gêné par le coude, en fait, en revers. Et donc, l'utilisation du poignet est moins bonne que côté coup droit. Et on sent un peu moins la balle. Voilà, on a moins de sensations. Et donc, c'est vrai que ça permet de contrôler mieux en défense revers. Et ça, c'est une réalité. Mais il n'empêche que je connais certains défenseurs, même s'il n'y en a pas beaucoup, qui contrôlent presque mieux du revers que du coup droit. Et pour eux, à la limite, le picot serait peut-être plus intéressant en coup droit qu'en revers. Ouais. Et puis même, pourquoi pas rester avec deux backside, quoi. Aujourd'hui, on sait que la balle coupée, notamment avec les nouvelles balles, balles plastiques, balles de 40, gêne un petit peu moins qu'avant, voire même beaucoup moins qu'avant. Et donc, ce déficit d'efficacité en balle coupée, on peut le compenser au contraire en jouant en défense beaucoup plus en balles sans effet, en balles complètement molles, qui sont des fois plus efficaces maintenant que les balles coupées. Et ça, il y a très peu de défenseurs en Europe qui le font. Ils sont tous axés sur la balle très coupée. Et aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas assez coupée. Ça gêne plus les attaquants. On peut jouer un petit peu plus vite avec deux backside. Et puis surtout, il y a la possibilité de varier des deux côtés, quoi. Et c'est quand même l'arme principale du défenseur, c'est la variation de balle, quoi. Et cette variation de balle avec un picot, elle est plus limitée, malheureusement plus limitée. C'est pour ça que le soft, qui n'est ni plus ni moins qu'un picot, mais quand même plus court et plus large, malgré tout, le contrôle reste très bon. Et ça permet quand même de couper les balles plus facilement en défense, d'attaquer plus facilement, de varier plus en poussette aussi, toutes ces petites balles intermédiaires là qui sont très importantes. Ça aussi, c'est dommage qu'on n'expérimente pas plus. Et là encore, ce sont les Japonais qui avaient innové avec notamment toute leur génération de filles là, qui ont aujourd'hui 23-24 ans et qui sont arrivées sur le circuit international en défendant avec des softs. Et après, il y a eu Yoseyu, que tout le monde connaît en France, puisqu'il avait fait finale au championnat du monde ici en 2003. Il a joué longtemps avec un soft. Je ne savais pas qu'on pouvait défendre avec un soft. Oui. Si. C'est même, je trouve, très intéressant. Alors, il n'y a pas de revêtement miracle, mieux que d'autres ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je pense que ça serait important que nos entraîneurs aient conscience que... il ne faut pas s'arrêter uniquement au picot long. Voilà, qu'on peut défendre avec deux backside aussi, et qu'en tout état de cause, moi je préconise, alors j'ai peut-être tort, mais je préconise d'entrevoir la défense avec deux backside des deux côtés, jusqu'à ce qu'on ait déjà un bon niveau de contrôle, finalement un bon niveau de jeu même. Et puis seulement après, éventuellement,
d'essayer le soft ou le picot long, voire même démarrer avec un soft parce que c'est un bon intermédiaire avant d'aller sur le picot long pour ceux qui veulent aller vers un picot long, mais que c'est pas une obligation non plus, quoi. Qu'on pourrait continuer avec le backside. D'ailleurs, Muramatsu, le jeune japonais que certains Français connaissent puisqu'ils l'ont vu sur les compétitions jeunes et qui est quand même aujourd'hui 31 mondial, je crois, ou même peut-être un peu mieux que ça, il a à peine 20 ans. Et il a commencé lui aussi avec deux backside. La première fois qu'on l'a vu en cadet, il était avec deux backside. Et puis un ou deux ans après, on l'a vu avec un soft. Et là maintenant, je crois qu'il est passé au picot long. Mais voilà, on voit bien que, d'abord parce que leur faculté d'adaptation est, à ces gens-là est excellente. Donc pour eux, changer de revêtement, ça ne leur pose pas grand souci. Au bout de 2-3 semaines ou un peu plus, ils se sont habitués. Donc on voit bien qu'il faut évoluer. Par contre, ce qu'on dit aussi aux entraîneurs de club, c'est de faire attention au picot. S'ils doivent mettre vers un picot long, de ne pas tomber dans le piège dans lequel beaucoup tombent, à savoir mettre des picots, ce qu'ils appellent lisses, et qui sont un peu à la mode aujourd'hui parce que ça pourrit le jeu, parce que c'est efficace, mais c'est efficace à un petit niveau. Et ils ont l'impression qu'avec ces revêtements-là, bah alors oui, tout de suite les résultats vont être meilleurs, mais c'est parce qu'ils font mal jouer l'adversaire, mais c'est pas parce qu'eux ont progressé. Et ça me gêne quand même, ce genre de revêtement. Par contre, des picots, je dirais, raisonnables en longueur, avec là aussi une épaisseur de mousse réduite, et surtout de les choisir striés sur le dessus. Alors ça, c'est un peu difficile à... Il faut les voir, il faut passer la main dessus, voir un peu la balle. Alors ça adhère pas comme un backside, bien sûr, mais il y a certains picots qui sont striés sur le dessus, et qui sont, à mon avis, bien meilleurs, et qui vont permettre aux gamins d'évoluer avec cette raquette, de pouvoir couper en poussette, par exemple, ce qui n'est pas possible avec un picot lisse. De pouvoir même distiller des balles en défense du revers presque molle, presque sans effet, qu'avec un picot lisse, là encore, c'est pas possible. Je pense que c'est un peu une prothèse qu'on met au défenseur en disant... C'est la solution de facilité. Voilà, c'est ça. Ça va te permettre un meilleur contrôle, tu seras plus performant rapidement, et c'est vrai, généralement c'est vrai, il aura un meilleur contrôle, il fera des résultats plus rapides, mais est-ce que c'est pas un frein pour le futur? Voilà. Pour certains... ça sera très bien, c'est effectivement le revêtement qui lui convient. Pour d'autres, je pense qu'il aurait fallu soit attendre plus longtemps, soit les laisser avec de backside, soit essayer le soft, on en parlait tout à l'heure aussi, parce que c'est une piste intéressante, soit mettre, pourquoi pas, le picot long, mais dans le coup droit, parce qu'il peut y avoir des cas de figure où ça sera dans le coup droit que ça sera intéressant. Après, voilà. Il y a tellement de sortes de picot long, finalement, que dire picot long, c'est... Oui, ça ne veut pas dire grand-chose en même temps. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de soft, parce qu'on voit tout de suite que c'est un picot qui est beaucoup plus court, plus rigide et plus large, et donc on voit très bien où on veut en venir. Mais moi, quand je parle picot long pour un défenseur, ça doit rester de toute façon avec des picots de longueur raisonnable, avec une épaisseur de mousse. Oui, il y avait des voilà, ben ça aussi, ça peut être. Oui, mais on peut très bien l'utiliser en défense aussi. Je crois que, et puis ici sur les backside aussi. Pourquoi systématiquement mettre des défenseurs? Parce que ça, c'est 99% des défenseurs défendent avec du 1,5 mm, par exemple, voire même au début, on les fait commencer avec du 1 mm. Mais en fait, et puis des bois de défense, et les bois de défense ne sont pas les meilleurs bois pour un défenseur, quoi. Il faut les faire, à mon avis, défendre avec un bois all-round. Il y en a dans toutes les marques, et qui vont permettre plus de confort. Parce que c'est quand même ce qu'on recherche, on recherche à être à l'aise au bout de la table, et les boîtes de défense n'ont qu'une seule particularité, c'est d'être lents, mais en même temps ils sont très durs, il n'y a pas de confort, ils amortissent pas le choc balle-raquette, et des boîtes all-round sont déjà plus intéressants, je trouve. Et après en backside, par contre, il ne faut pas hésiter rapidement à mettre au moins du 2 mm, et rapidement du maximum même, parce que celui qui arrivait en cadet junior ne sait pas défendre avec du 2,5 mm, ça veut dire que quelque part il a des gros problèmes de contrôle. Et il ne pourra donc pas s'en sortir. Moi, j'en parle même plus aujourd'hui, justement pour ça. C'est parce qu'on n'en voit pas du tout à haut niveau. Et quand on n'en voit pas à haut niveau, c'est quand même quelque part, il y a une raison, quoi. Oui, c'est trop lent. C'est trop lent. C'est la balle coupée est coupée, mais pas assez. Alors en plus, avec les nouvelles balles, ça n'a fait que... ça a été valable à un moment quand... notamment, il y avait un joueur qui s'appelait John Hilton, qui avait été champion d'Europe début des années 80, et qui s'était servi de l'anti-top pour avoir un jeu mixte, moitié attaque, moitié défense, et qui n'arrêtait pas de tourner. Et c'était
l'époque où les deux couleurs étaient encore identiques. Ouais. On avait deux faces noires ou deux faces rouges qui permettaient de tromper l'ennemi. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, ça, depuis qu'on a différencié les couleurs, ça fait bien longtemps maintenant, ça a tué l'antitop, vraiment. Parce que l'efficacité, en fait, le principe est le même que le picot, mais en étant 10 fois moins efficace. Quoi. Donc, mais je dis pas que ça peut pas revenir, c'est tellement des phénomènes de maths, c'est tellement cyclique, il suffit qu'il y ait un joueur demain qui arrive avec ça, et puis qui finalement, je sais pas, se mette à bloquer à la table avec ça, se mette à inventer quelque chose, un peu créatif, voilà. Voilà, peut-être que ça reviendra au goût du jour, mais honnêtement, je vois pas trop aujourd'hui. Je le disais déjà dans mon mémoire, donc 86, et à chaque fois j'en parle dans la formation des entraîneurs, les effets latéraux. Oui. Ça, c'est aussi une arme qui est complètement occultée dans la formation du défenseur, et pourtant, c'est aussi facile que de défendre de manière traditionnelle, et c'est sacrément efficace, quoi. Et donc, je le fais essayer aux entraîneurs qui sont en formation, moi, avec eux. Ils essayent eux-mêmes à la salle l'après-midi, et ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est pas compliqué, et que, effectivement, c'est très efficace. Alors après, il faut pas faire n'importe quoi, c'est pas sur toutes les balles, c'est pas trop d'effets latéraux, c'est juste un peu, enfin bref. Mais ça aussi, c'est des pistes d'évolution du système de jeu de défenseur, que personne n'utilise, et c'est bien dommage, quoi. On le voit chez les attaquants, ils font toutes des remises de services latérales maintenant, ou des services qui ont évolué, et pourquoi pas chez le défenseur, quoi. Bien sûr. Défenseur, de façon uniquement en balle de défense aujourd'hui, c'est sûr que ça suffit pas. Hein. On le voit bien depuis maintenant plus de 20 ans. Hein. Et c'était déjà le cas, moi, quand je jouais, je sais pas, c'est difficile à dire, mais 20-30% des balles en attaque, parce que c'était déjà le cas, donc c'est pas nouveau. Mais c'est justement, je trouve, une des richesses de ce système de jeu, c'est que c'est pas que de la défense. On entrevoit absolument tous les coups techniques, donc c'est quand même très, très intéressant, très riche. La balle coupée est un peu moins efficace encore qu'avec la balle en celluloïde. Voilà. Comme ça l'avait déjà été quand on était passé de la balle de 38 à 40. Déjà, moi je l'avais expérimenté ça parce que je jouais encore à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que... Alors c'est vrai pour les services aussi. Ce qui était au départ un changement réglementaire pour favoriser le jeu de défense, le spectacle. C'est peut-être le souci qu'on a, c'est que... avant de prendre des décisions comme ça, il faudrait peut-être faire d'abord faire des expérimentations, essayer sur des compétitions peut-être moins importantes. Alors il l'avait fait pour les balles, hein, 38 à 40. On avait même joué une fois avec des balles de 44 mm. Et voilà, bon. Déjà rien que le bruit, ça, tout le monde avait envie de sortir de la salle. Et là, ils avaient vite arrêté. Mais pour se dire, on va mettre des balles de 40 parce que ça va peut-être permettre aux défenseurs de revenir, puisqu'ils avaient dit ça. Hein. Enfin, j'avais entendu en tout cas ça. C'est plus lent, donc ça va permettre aux défenseurs de revenir. Il aurait fallu déjà l'expérimenter et puis après demander de l'avis des entraîneurs et des joueurs. Et là, tout de suite, on leur aurait dit, mais non, c'est l'inverse qui se passe. Est-ce que la balle coupée est moins efficace ? Etc. Et on avait eu déjà ce cas de figure quand ils avaient interdit les cols rapides. On avait fait l'expérimentation à l'INSEP avant que ça soit officiel, parce qu'on voulait commencer à s'entraîner sans col, parce que c'est quand même pas évident quand des joueurs tout le temps connus la colle, de se retrouver du jour au lendemain sans col. Donc on a fait 3 ou 4 mois à l'INSEP où les joueurs s'entraînaient sans col rapide, et c'était donc la génération de Gatien. Et moi je pensais que Gatien, comme la plupart, allait être un des plus pénalisés, puisque son jeu était basé sur la vitesse, et que des joueurs comme Olivier Marmurek, par exemple, Didier Montmessin, qui jouait un peu en toucher de balle à mi-distance, allaient au contraire être favorisés. En fait, c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé, là encore. Parce que Gatien, effectivement, était un tout petit peu moins performant, mais il a moins perdu qu'un Didier Montmessin ou un Olivier Marmurek qui n'arrivait plus à terminer un point à mi-distance, parce que la balle avançait plus. Et donc finalement, oui, ça allait un peu moins vite, mais surtout, ça a pénalisé déjà les jeux à mi-distance. Donc, ils ont eu tout faux là-dessus. Sur la balle, pareil, on s'est planté. Et là, la balle plastique, c'est pour a priori un problème de santé. Je veux bien croire que ça soit ça. Mais ça va être, je pense, un petit peu le même effet. Alors, est-ce que ça sera aussi notable que la balle de 38 à 40 ou... Les premiers échos qu'on a quand même, c'est que... Alors les joueurs s'adapteront, hein, sur le haut niveau ils s'adapteront. Il y a d'ailleurs généralement beaucoup moins de contestations à haut niveau que sur un niveau national ou régional. Hein. Au niveau international, il y a comment une...
y a comme une association un petit peu au tennis des joueurs professionnels. Bon, ils ont contesté un peu pour le principe au départ, mais aujourd'hui plus personne ne conteste. Hein. Ils sont tous adaptés assez facilement. Alors là encore, il faut attendre, je pense, un petit peu. Tout simplement parce qu'il y a des disparités entre les balles plastiques qui sont énormes. Quoi. Il y a quelques balles plastiques qui apparemment donnent satisfaction, mais c'est une minorité des balles plastiques. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui ne sont pas encore au point. Et les balles, donc elles sont cassantes, ça tout le monde le sait. Mais elles ont du mal à avoir une certaine dureté aussi, donc c'est quand même ça, c'est pénalisant. Il y a des rebonds un peu bizarres. Il y a des rebonds bizarres, ça voilà. Ça rebondit plus ouais, haut. Exactement. Ouais. Donc je pense que c'est quand même un peu tôt pour en parler. Aujourd'hui, il y a peu de différenciation entre les systèmes de jeu. Et on l'avait déjà mis aussi dans la route du haut niveau qu'il faudrait arriver à individualiser le travail physique comme on l'a fait pour le tennis de table par exemple, mais on n'en est pas là. Alors après ça me gêne pas plus que ça parce qu'il y a quand même des incontournables pour tous les pongistes, attaquants comme défenseurs, et c'est à mon avis au moins 80% du travail, tout ce qui est le travail des appuis, la vélocité, qu'est-ce qu'il y a encore, tout ce qui est coordination, tout ce qui est souplesse aussi beaucoup. Plus donc, pour le défenseur la souplesse. Oui mais même pour l'attaquant parce qu'on recherche beaucoup cette qualité aujourd'hui de relâchement. Les tout meilleurs joueurs, quand on les voit jouer, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effort apparent, que tout est fluide. Et c'est cette qualité de relâchement qu'il faut. Et si on n'est pas souple, on n'a quasiment aucune chance d'être relâché. Alors, on sait que c'est une qualité en plus qu'on peut développer, et notamment chez les petits. Et on s'était rendu compte sur le projet détection il y a 10 ans de ça, sur des gamins de 8-9 ans, on leur avait demandé tout simplement les jambes tendues, en descendant le haut du corps, d'essayer de mettre les mains à plat par terre, comme nous on l'avait fait comme joueurs quelques années plus tôt, garçons et filles, et quelle n'a pas été notre surprise de voir qu'il n'y en avait pas un sur 10 qui arrivait à mettre juste les doigts touchés par terre. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose quoi, qui va... Et c'est une qualité qu'on avait finalement abandonnée, puis les gamins aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'ils font moins d'activités qu'avant, hein. Ils sont devant les écrans, etc. Et donc finalement, on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on rétablisse ce qu'on a appelé, nous, les assouplissements de grande amplitude, donc le grand écart, tous ces trucs-là, et petit à petit arriver à avoir cette qualité-là chez tous les pongistes pour arriver justement à cette qualité de relâchement, et puis surtout pour éviter les blessures aussi. Parce que c'est une des qualités quand même qui permet de passer au travers des petits pépins musculaires. Voilà, donc il y a quand même, je pense, une grosse partie du travail qui est la même pour les deux. Après, peut-être qu'il faut faire plus d'endurance pour un défenseur, parce que c'est vrai que les matchs durent plus longtemps. La récup entre les points est souvent un petit peu plus importante que pour les attaquants, donc il faut en tenir compte sur les doses de travail que l'on fait. Peut-être un peu plus de musculation aussi au niveau des membres inférieurs, parce que même si les attaquants aujourd'hui ils ont quand même besoin aussi de beaucoup de force hein, au niveau des jambes, on le voit avec les Chinois qui ont une puissance incroyable dans les jambes. Zendong, ouais. Ouais, par exemple, Feng Zhendong, c'est hallucinant, quoi, ce qui, les cuisses qu'il a à 19 ans. voilà, donc, et puis, il ne faut pas aussi occulter le fait que quand on s'entraîne, par exemple, 4 heures par jour en défense, on travaille quand même beaucoup les qualités physiques pendant l'entraînement. Quoi. On est tout le temps en déplacement, on est tout le temps en squat, en demi-squat. Moi, quand je jouais, j'avais... on était sans arrêt, oui, et donc c'est quand même déjà un gros, gros travail physique qui se fait aussi à la table, quoi. Mais après, ça serait intéressant, puisque ça fait quelques années quand même qu'on travaille avec des préparateurs physiques qui se penchent un petit peu plus sur ce problème-là, mais comme il n'y en a jamais eu à l'INSEP de défenseur, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, le problème s'est jamais posé, quoi. Et moi, j'en ai souvent parlé à des préparateurs physiques qui m'ont dit, effectivement, c'est intéressant, mais on n'a pas d'exemple, quoi. Donc, c'est toujours le même problème, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue quand on n'arrive pas à en sortir. Il y a déjà peut-être un temps d'observation qui est plus long pour le défenseur. C'est-à-dire que moi, je fonctionnais comme ça. Alors, est-ce que tous les défenseurs fonctionnent comme ça? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on accepte de perdre le premier set, par exemple? Non. Enfin, on tente non. Tout, on Mais regarde ce qui contre, marche, ce qui marche pas. On accepte. Je crois, de subir un peu au début, voilà, de se dire, bon, les premiers points,
Je vais le laisser démarrer, voir la quantité d'effet qu'il y a dans sa balle, la vitesse, et puis essayer de m'adapter vite. Et après, je vais commencer à varier, à placer mes balles un peu plus dans le détail, etc. On accepte ça. Après, non, jamais de perte de premier set, parce qu'on sait que surtout maintenant, ça peut aller très vite. Donc ça, je pense pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas cet état d'esprit-là. Mais par contre, j'acceptais de laisser démarrer le joueur sur les 2, 3, 4 premiers points pour vraiment. Ça veut dire quoi laisser démarrer? Parce que c'est le but du défenseur, Pas non? tout le temps, non. Non? Pas tout le temps. Quand j'arrivais sur la fin de set, j'essayais de fermer le jeu, justement. D'accord. Au service, déjà, systématiquement, de servir court. Et donc pas laisser démarrer, et moi de prendre l'initiative le premier, voire même sur le service adverse, c'était de remettre court de temps en temps, et ça aussi c'est une source de progression pour la défense, c'est que 9 fois sur 10 on remet long en tant que défenseur, et là aussi je On pense se qu'il y a mieux dit, à enfin, faire. vous voyez, moi je suis j'ai tous les stéréotypes en moi, donc je me dis, Ouais, on les a les tous, ouais. défenseurs, ils doivent faire démarrer l'adversaire et après, avec sa défense, le faire faire la faute. Ça va être vrai, je sais pas. 2 fois sur 3, peut-être 3 fois sur 4, mais ça doit pas être systématique non plus. Parce que si c'est systématique, il aura aucune chance d'arriver à un Donc c'est certain point. varié, varié, varié. Oui, et puis c'est prendre des risques en remise. Ça peut être une remise longue, effectivement, mais ça va être une remise très très coupée, ou au contraire sans effet complet. Ça va être petit côté, ça va être latéral, ce que font peu de défenseurs aujourd'hui. C'est tout ça qui va lui permettre lui aussi de prendre des risques qui seront moins spectaculaires que l'attaquant, mais tout aussi efficaces. D'accord. C'est pour ça que je dis que l'observation de l'entraîneur, elle est hyper importante, parce que quelquefois, quand on regarde un défenseur, on a toujours l'impression qu'il est dominé. Mais en fait, non. Lui, il coupe la balle un petit peu plus sur sa défense. Il joue avec ses armes, en fait, qui est la variation de balle. Hein, on le disait tout à l'heure, c'est l'arme première chez le défenseur. C'est la variation de balle associée au camouflage, en fait. C'est donner l'impression que la balle est coupée alors qu'elle est molle, ou l'inverse. Et ça, c'est la différence aussi entre les très très bons défenseurs et les bons défenseurs. C'est dans le camouflage. Cette perception, enfin, c'est tromper l'ennemi, quoi, tout simplement, quoi. Et D'accord. ça, on ne le voit pas non plus quand on est spectateur, ou on ne le voit pas toujours. Donc il faut défendre sous la table. Alors, c'est une des possibilités, mais elle n'est pas très efficace parce qu'on est trop loin de la table à ce moment-là. Et le temps que la balle arrive de l'autre côté, elle a perdu beaucoup d'efficacité. Donc le moyen de camoufler, c'est soit de donner une mauvaise indication au joueur en face avec l'inclinaison de la raquette, lui montrer par exemple qu'on a fermé, et juste au moment où on va toucher la balle, on va ouvrir la raquette pour passer dessous et puis la couper. Et donc on peut donner l'impression que voilà, qu'on n'a pas mis d'effet. Ou l'inverse, c'est couper la balle en passant en dessous, puis dès que la balle est partie de la raquette, fermer la raquette, là aussi pour tromper l'ennemi. Alors c'est pas aussi flagrant que ça joue sur des petites inclinaisons. Parce que le joueur attaquant, il se repère sur l'inclinaison de la raquette du défenseur. Et donc il faut jouer sur cet aspect-là, quoi. Est-ce que plus on défend près de la table, plus on est bon? Oui. Ah, plus on est bon, je sais pas, mais plus c'est efficace en tout cas. Oui. Donc, est-ce qu'un super défenseur hyper rapide, il pourrait Ah, alors, je pense innover et qu'on se peut. mettre carrément Alors, à 50 cm devant et 50, je en ne sais pas, réflexe? mais un peu plus près encore que ce qu'ils font aujourd'hui, ça c'est sûr. Oui. Ils se sont d'ailleurs rapprochés, hein, maintenant, les défenseurs. Ça demande un très bon contrôle de balle, bien sûr. Mais à ce titre-là, la défense, elle est hyper efficace, vraiment. Ça devient très compliqué pour l'attaquant. Quand on Ce agresse qui la vient très balle, vite. ouais, quand on la prend, soit au sommet du rebond, à la limite, c'est presque l'idéal. Là aussi, je l'avais déjà mis dans mon mémoire. On avait mis qu'il y avait trois possibilités, c'était au rebond, au maximum du rebond, et puis en phase descendante. Et on avait dit qu'il faudrait que le défenseur moderne soit capable d'utiliser ces trois trajectoires possibles. Bon, alors on sait après que dans les faits, sur des topspins très efficaces, c'est impossible de défendre au rebond. La balle est trop compliquée, il y a une prise de risque, et c'est plus du risque, c'est du suicide. Donc, mais par contre, au sommet du rebond, et puis juste au début de la descente, il y a de plus en plus de défenseurs qui arrivent à le faire. Muramatsu, par exemple, le fait. Et ça, je pense que c'est aussi une piste. Alors oui. Même à haut niveau. C'est plus dur pour l'attaquant, pour le défenseur d'ailleurs, hein, parce que c'est lui qui reçoit finalement les top spins sur la balle coupée qu'on vient de faire. Et donc c'est difficile à bloquer. Donc ça demande un très bon contrôle de balle, une bonne tenue de balle de la part de l'attaquant. Donc c'est pas n'importe quel attaquant qui peut jouer avec un défenseur. Pour le défenseur,
Donc la tactique du loup, c'est quoi finalement? Parce qu'on pourrait se dire, s'il y a deux défenseurs, c'est de faire faire la faute à l'adversaire. Mais quand on a un attaquant, un défenseur, c'est quoi la tactique? C'est de préparer l'attaque de l'attaquant? Ouais, bah c'est le principe de presque tous les doubles, même de deux attaquants, à savoir qu'il y a souvent les meilleures paires de doubles, c'est là où il y a un préparateur et un finisseur. D'accord. Alors là, c'est encore plus marqué quand il y a un défenseur, c'est clair. Ouais. Mais c'est souvent comme ça. Et puis comme les défenseurs aujourd'hui savent attaquer, c'est sûr que, bon, il ne faut pas se cantonner uniquement en défense, mais si on est capable, nous aussi, de contre-topspinner de temps en temps et tout, ça peut être des doubles sympas. Alors maintenant, on n'a pas la démonstration non plus d'un double mixte comme ça, qui a été champion du monde ou champion olympique, donc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout simplement. Il y a déjà très peu de défenseurs, et la plupart des défenseurs qu'il y a sur le circuit international, notamment, s'arrangent pour jouer ensemble en double, même s'ils ne sont pas de la même nationalité. Donc il y a peu de cas de figure, mais moi je sais que j'ai joué souvent avec des attaquants, notamment des joueurs français, hein. Et d'abord on a pris beaucoup de plaisir, voilà, et on a fait des résultats honnêtes, voilà, on n'a jamais joué de championnat d'Europe ou de championnat du monde ensemble, hein, donc, mais on a fait quelques pro tours ensemble, moi je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir, donc oui j'ai tendance à dire oui, on pourrait avoir des doubles comme ça, compétitifs, et n'en parlons pas chez les filles, parce que je pense que ça pourrait être, ça aussi, on associe toujours les deux japonaises, par exemple, qui défendent, puisqu'il y en a deux dans l'équipe de Japon, elles jouent ensemble. Bon, voilà, c'est facile, hein. Et c'est, ça paraît logique aussi, mais on aurait peut-être pu essayer avec des attaquants. Peut-être que ça serait aussi bien. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur des trucs. Et être gaucher défenseur en double, c'est un avantage par droitier défenseur. Ah ouais, je pense. Moi, j'étais gaucher, et je pense que ça a été un avantage. Mais peut-être que ça aurait été plus compliqué si j'avais été droitier pour mon partenaire, là encore. Hein. Pour moi, ça n'aurait pas changé grand-chose. Oui, c'est au niveau de la position de chacun. Voilà, c'est surtout que je jouais donc avec un droitier et que on se gênait jamais, quoi. Jamais. En retour de service, c'était côté coup droit, vous preniez coup droit. Oui, souvent. Alors de temps en temps, je me mettais en revers et je le prévenais parce qu'effectivement, il fallait qu'il s'écarte un peu et je remettais donc plus souvent en coup droit qu'en revers. Mais non, ça c'est pas un souci. Et puis le gros problème, moi je trouve, c'est le contrôle de balle pour l'attaquant, quoi. Parce que vraiment, il reçoit des balles qui tombent beaucoup. Ouais, il a pas l'habitude en plus, parce que les topspins qu'il reçoit, c'est donc ça s'improvise pas, quoi. Il faut s'entraîner un peu, puis il faut surtout que l'attaquant soit très bon en tenue de balle. Et intelligent, pour le coup. Aussi. Ouais. Parce que qu'il soit capable. Parce que moi j'ai joué quelques fois avec des attaquants où ils cherchaient à se débarrasser de la balle rapidement. Parce qu'il avait l'impression qu'à chaque fois que j'allais la toucher, derrière, il allait prendre une balle trop dure pour lui. Ouais. Et donc, il cherchait à se débarrasser de la balle avant. Mais c'est pour ça qu'il faut que la personne ait une très bonne tenue de balle, soit capable de bloquer de temps en temps cette balle et pas tout le temps de topspinner comme un malade. Et puis, effectivement, soit intelligent. Mais à ces conditions-là, oui, pourquoi pas. Enfin, en dessous d'1m60, ça me paraît très difficile parce que, là, quand même. Donc c'est important quand mais même. Mais après, d'avoir une certaine taille. Grand, c'est aussi ça peut aussi être un handicap parce qu'on a besoin d'être bas sur les jambes. Et plus on est grand au départ, plus il va falloir descendre sur les jambes. Et Muramatsu est assez grand, il doit faire 1m83, 1m84. Alors, c'est pas non plus des géants, mais bon, enfin, moi je faisais 1m76, donc c'est comme les attaquants alors. Finalement. Oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde quasiment. Alors, les plus petits, j'ai pas. Alors, Sheng Wenxi n'est pas très grand. Hein. Sheng Wenxi doit faire 1m72 peut-être, quelque chose comme ça, 70, 72. Donc, c'est pas un grand gabarit non plus. Donc, ça l'a pas trop gêné. Pour tout le monde. Oui, je pense quand même. Après, bon, c'est vrai que beaucoup plus petit, mais bon, j'en ai pas vu. Hein, parce que Muramatsu est quand même assez grand. Yoseyu qui doit faire 1m77, 78, quelque chose comme ça, je pense. J'en connais pas de vraiment petits, quoi, mais c'est les tailles moyennes, et puis même les grands aujourd'hui, ça peut être un avantage dans les angles, ça c'est évident, hein. Après, c'est plus avoir une bonne assise au bout de la table, parce qu'on dit bien, quand on défend, il faut être comme dans un rocking chair, en fait, il faut vraiment se sentir à l'aise, et donc ça nécessite d'être assez bas sur les jambes, d'abord parce qu'on se sert, on dit qu'un défenseur, ça doit être un peu comme un félin, un chat, quoi, il doit être vraiment. Monter sur amortisseur en fait, et donc il faut être bas sur les jambes, mais quand on est grand, bah, ça nécessite de descendre encore plus, quoi. Mais bon, mis à part ce bémol là, le reste c'est des avantages, hein, parce que dans les angles quand même, c'est un gros gros avantage. Oui, je pense, ouais. Est-ce qu'à l'INSEP, à l'INSEP, je sais pas, nous on en faisait assez régulièrement d'ailleurs.
Pour ceux qui s'en rappellent, quelqu'un comme Patrick Schilla, par exemple, défendait. Alors Ouais. c'était naturel, hein, mais bah, c'était bien l'entraînement Parce de. que Jean-Philippe Gassien, il faisait de la défense. Alors, oui, mais il aimait pas trop ça, lui, par contre. Et puis, j'avoue qu'il n'était pas hyper doué pour ça. Je pense que lui, par contre, il a vraiment pratiqué le système de jeu qui lui convenait le mieux. C'était vraiment. Mais là, c'est pareil, je pense que. Ça apprend quoi à gagner le point important en match de temps en temps? Bah, Ou ça fait c'est. travailler la tenue de balle. Déjà, parce que ça peut leur servir après dans des, à des moments où il faut juste conserver la balle sur la table en bloc, par exemple, où ça permet de trouver un peu des sensations en Tu parles de la défense. défense coupée. Oui, mais moi aussi, mais d'appréhender la défense coupée, ça Ça permet améliore le toucher de de balle. sentir, oui, voilà, les sensations après, même quand on veut le refaire près de la table, ça aide aux sensations, tout simplement. Et D'accord. puis, c'est des cas de figure qui se retrouvent de plus en plus souvent aujourd'hui, où il faut, où on est un peu. Bah dans les barrières, et à la limite, plutôt que de Ça remettre peut en balle faire haut, ça tourner serait un bien de match défendre une aussi. balle, voilà. Et puis il y avait un Wagner qui le faisait bien. Ma génération avait quelqu'un comme Patrick Birochaud qui défendait super bien du revers. Et voilà, et je pense que c'est une arme supplémentaire. Et on le fait pas assez souvent avec nos jeunes joueurs. On Bah, dit je parle. qu'il faut le faire l'été, en fait, hors Oui, compète. mais je pense qu'il faut le faire tout le temps. Plutôt que de le faire une fois dans l'année pendant 15 jours. Il va tout oublier derrière. De le faire 10 minutes, je sais pas, 2 fois par semaine, me paraît plus intéressant. Alors qu'après, on le fasse aussi sur des périodes un peu plus libres de Oui. compète, bah oui, pourquoi pas. Mais enfin, on dit qu'il faut toujours travailler sur des traces, quoi. Et si on fait ça que 15 jours l'été, les traces, on va vite les oublier. Hein. Donc, non, mais c'est important de le faire, et puis ça va leur servir pour leur jeu d'attaquant. Je pense quand même qu'il ne faut pas que le défenseur fasse 100% de choses différentes de l'attaquant, parce qu'on le met en marge et on a l'impression d'être un peu exclu du groupe, et ça, c'est pas bien non plus. Donc psychologiquement, c'est bien qu'on partage les mêmes choses que les attaquants. Moi, je sais que j'en ai souffert de ça, parce que j'avais l'impression des fois que bah, d'abord, personne ne voulait jouer avec moi, parce que c'était Ça pas les dépend, il y en mêmes a qui balles. adorent ou il y en Voilà, a mais c'était une qui majorité qui détestent. n'aimait pas, quand Ah ouais? même, ouais, quand même. Et donc, bon, voilà, ça c'est, on n'aime pas trop. Donc c'est bien quand même qu'une partie de la séance, on puisse la faire commune avec les attaquants. Et puis après, bah, bien sûr, c'est des exercices où on travaille quand même des choses très personnelles, quoi. Et mettre donc en face des attaquants qui, eux aussi, vont avoir un objectif. Parce que c'était souvent le drame de nos séances d'entraînement, c'est pendant qu'il y a un joueur qui travaille, l'autre s'embête, quoi. C'est vrai sur les petits comme pour les adultes. Hein. Et on a essayé là aussi, depuis quelques années, de dire non, il faut que les deux joueurs travaillent. Alors on peut mettre des objectifs différents, même pour le bloqueur qui fait travailler l'autre, on peut lui demander de jouer avec des balles derrière le filet, à des moments plus longs, enfin bref, lui mettre des objectifs pour qu'il ait vraiment l'impression lui aussi de travailler quelque chose. D'accord. Et voilà, mais pour le défenseur après, oui, il y a des exercices quand même très spécifiques qui vont peut-être occuper 50% de la séance. On a des gros soucis pour jouer les défenseurs. Et ça serait quand même plus simple d'en avoir chez nous que d'être obligé de payer des sparring étrangers. Oui, Et comment puis ils c'est font très les joueurs compliqué. français Bah nous à l'INSEP, moi j'en payais. Voilà. Je faisais venir. Il y avait un Janice. Russe qui s'appelait Solopov à ce moment-là. Non, il n'y avait pas encore Jonis, donc, mais je faisais venir Tsiokas. Je faisais Ouais. venir un ou deux joueurs asiatiques qui évoluaient dans la super division, puisque ça ne s'appelait pas encore Pro A. Et qui venaient de. Bah, Lu Xun-Tsun notamment, qui venaient de D'accord. temps en temps relancer. Et aujourd'hui, vous savez Bah qui aujourd'hui, de temps en vient? temps, ils essayent, mais c'est très, très compliqué, parce qu'en plus, les défenseurs, bah, ils jouent leur carte perso aussi, donc ils n'ont pas forcément envie de venir chez nous Et vous allez leur pour aider piller les sa Français. carte. Hein. Donc c'est très compliqué. Et donc, en fait, à part ceux qui, naturellement, comme Le Besson, parce qu'il a un coup droit hors norme, est plutôt bon sur les défenseurs, les autres sont pas bons, quoi. Quand je suis passé entraîneur à la fin de ma carrière et que j'ai eu à entraîner Gatien et puis cette génération-là, il y a même pas mal de gens qui m'ont dit, mais comment tu peux entraîner Gatien en étant qui est à l'opposé finalement de ton. Parce que lui, pour le coup, c'est vraiment oui, le plus à l'opposé L'anti de ce que je faisais moi. ouais. Et en fait, c'est là où on voit, de toute façon, ça reste le même sport, la même discipline et que les différences sont pas aussi notables qu'on voudrait bien le laisser entendre. Ça reste les mêmes. C'est une question de sensation, de feeling, d'intelligence de jeu, de voilà, tout ce qu'on veut. Alors après, il y a quelques armes qui sont différentes, mais le ping reste le même. Mais j'ai mis quand même 3-4 mois avant de comprendre comment il fonctionnait.
Et les premières fois que j'ai eu à le coacher en match, j'avoue que j'y suis allé sur des œufs parce que je ne comprenais pas son mode de fonctionnement par rapport au mien. La prise de risque. La prise de risque. Alors oui, justement, j'avais l'impression de l'extérieur que c'était un jeu à 100% prise de risque, quoi. Et en fait, pas du tout. Et j'ai mis le temps de comprendre que d'abord, service remis, c'était hyper intelligent tout ce qu'il faisait, que le premier démarrage, il était rarement rapide, mais il était toujours bien placé, bien varié, et que c'est ce premier démarrage qui lui permettait après d'imposer son système de jeu de vitesse, et que donc sur les 3 premières balles, il y avait beaucoup d'intelligence de jeu, peu d'échecs, c'était presque 100% de réussite même sur les démarrages et tout, et que donc c'était à moi de m'adapter à ça, et que je pense pas que c'était une prise de risque insensée, quoi. Et à partir du troisième, quatrième mois, après, j'ai compris comment il fonctionnait et on a fait presque 10 ans ensemble. On voit bien que c'est absolument pas lié à une différence de mentalité ou autre chose. J'entends souvent des joueurs qui me disent ah ben moi je viens de me mettre en défense, là je me rendais compte que ça allait trop vite pour Bah, moi maintenant. les vétérans, Ouais, ou puis ils même en des mettent plus des jeunes. picots, ils se défendent. Oui, et puis oui, c'est au moins un des avantages C'est de notre intéressant. discipline, c'est que d'abord on peut jouer longtemps, si on fait attention à un certain nombre de choses, et puis qu'effectivement on peut faire évoluer aussi son système de jeu, quoi. Et se reculer de la table pour se donner un petit peu plus de temps quand on perd en vivacité, quand on perd en accélération aussi, hein, tout ce qui est vitesse de réaction, tout ça. Oui, Est-ce que c'est pas un c'est un peu moins moyen. violent que d'être Si, aussi, attaquant? oui, tout à fait, ça c'est Je dis sûr. ça de Oui. l'expérience Si, personnelle. si, ah, non, non, mais c'est Je me vrai. fais mal à chaque fois que Ça je joue maintenant. c'est vrai parce que d'abord, on peut se permettre de défendre quand on est par exemple vétéran ou assez près de la table parce que les balles vont vite, mais quand même moins vite qu'à un haut niveau. Donc on peut se permettre d'être un peu plus près de la table, donc de limiter quand même les trop grands déplacements qui seraient un problème. Et effectivement, c'est beaucoup moins violent, beaucoup moins saccadé, c'est moins traumatisant pour le dos, pour les genoux, les chevilles, enfin tout, hein. D'accord. Oui, je Tout pense en que ayant deux c'est. backside, on peut faire ça? Ah oui, je pense, oui. Alors maintenant, c'est vrai que parmi les vétérans, on voit beaucoup de personnes se mettre avec des picots et tout. Et puis à la limite, pourquoi pas, hein. Moi, ça me gêne absolument pas. Et que là, on mette des picots lisses parce qu'on va pourrir le jeu et tout, bah, à la limite, c'est aussi le jeu du ping, hein.